Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon voilà, là, avec la petite beauté, la petite 106, le retour. Voilà, j'ai fait 2-3 modifs dessus. Voilà, hier j'ai installé des extensions d'ailes. On peut voir que j'ai monté un schnorkel. Bon, pour une fois, il est étanche. Donc là, j'ai fait ça avec des tuyaux de piscine achetés à Bréco, tout simplement. Au bout, j'ai mis un petit cornet pour scooter. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait d'autre dessus. On peut voir les petites extensions, ça fait sympa. Ça fait vraiment sympa. Voilà, on va aller faire une petite sortie. Où est-ce que j'ai fait une sortie avec le samouraï? Donc on va essayer de passer aux mêmes endroits. Donc là, faut pas que je reste embrobé, j'ai juste une sangle là-haut. Une sangle avec un carrefour, donc ouais, ça devrait le faire. On peut voir que le schnorkel est vraiment étanche. Alors, je sais pas si on va entendre. Bon, l'eau jusqu'à là, c'est bien. Hein. Mais sauf que quand je vais dans l'eau, mon embrayage il patine, donc c'est la misère. Allez, go, c'est parti. C'est dommage, il n'y a plus d'eau, j'aurais bien aimé passer avec la 106. Ah bah oui, Fel, c'est gras là. Putain, c'est gras. J'ai passé plein de billes. Là, on est en train de se poser. Putain, il y a de l'eau dans les feux devant. Enlève la vitesse. Donc voilà notre sauveur. Hop!
poussé par le pétrole. J'ai morflé mon embrayage en fait. On peut voir que là je suis en cinquième. Ah le pétrole de chasse. Bon voilà, on se retrouve deuxième jour. Donc hier, enfin hier voilà, là c'est la suite de la vidéo. J'ai changé mon embrayage, je l'ai fait ce matin. Donc là ça va nickel. Donc voilà, donc là il n'y a pas eu trop de dégâts. Si j'avais bah quand Marco, mon pote avec son patron, il nous a tiré, ça a bloqué la roue, ça a plié le câble de frein à main. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai coupé le câble. Parce que sinon j'avais plus de frein. Merde, je viens de me niquer de l'eau. Donc voilà. Donc ouais, j'ai fait mon embrayage, j'ai pas filmé, mais ceux qui m'ont story sur Insta, vous avez dû voir. Donc il y avait de l'eau qui est rentrée dans le moteur. L'eau elle était vraiment vraiment, enfin l'huile, ça faisait de l'huile avec de l'eau, c'était de la pâte. Donc voilà, j'ai tout vidangé. Pareil, ça fuit à mort par le joint speed bilo. Donc c'est pour ça que ça me faisait patiner l'embrayage quand on était dans le brebier. Donc ça patine encore un peu, ouais. Après c'est normal, avec le pétrole ça me fait la même chose. Ah c'est bien ça. C'est bien. Ah ça passe là, nickel. Au top du top. On va mettre la petite barre de LED quand même. Bon, le snorkel est bien efficace. Au top ça. Bon, l'eau elle est en train de rentrer, je crois bien. Ça remonte au top, putain, je me suis niqué le doigt là. Ah, c'est bien ça, l'embrayage il patine même pas là, impeccable. Ou pas. Ça passe hein. Oui c'est bon. Là il y a un putain de trou là. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? Mais non! Mais non, c'est quoi qui a touché? Bon bah j'ai crevé. Non. Si. Bon ça va, j'ai une roue de secours. Et heureusement. Je sais pas où. Là, en sol. Sur le flanc du pneu. Attends, bougez pas les gars, je dévisse la roue. 2, 3. Oh merde, on a enlevé la roue. Bah là, la roue, elle a enlevé. On a enlevé la roue. Ouais. Alors là, les gars. Moi, je suis enlevé. Si on n'est pas au top.
Là, franchement, on est au top. On va prendre la roue de secours. Pas le choix. Bon là, on va essayer de faire du poids. Voilà, rigueur. On va faire voir si ça a glissé ça. Juste. Vas-y, on se met à deux yel. Un, deux, trois. Une fois là. Une fois qu'elle est là, c'est bon. Mets la roue. Vas-y. Bon bah il est posé alors. Bah voilà. Ça c'est de la mécanique. Tu vois, allons, la main. Ça c'est de la mécanique. Voilà, vas-y, on remet la roue. T'as vu, c'était pas une mauvaise idée. Je pensais pas qu'Adam arriverait à la bouger. Au top. Donc là maintenant faut refaire contrepoids. Dis-lui que si tu te fous un chat c'est dans le bidon. C'est bon? Là bah là faut soulever encore. Encore? Bah, voilà. Voilà, maintenant on fout l'arrière. On fout la roue. Attends, je le ferai. Ça touche partout là-dedans. Non. Oh ouais, ça fait gros comme pneu. Tant pis. Bon, ouais, c'est reparti. Attends, vérifie ton bidon parce que je sais pas si. C'est bien. Déjà là, il y a un peu d'eau.
Bon voilà, on finit cette vidéo galère sur un beau petit coucher de soleil. Ouais, vraiment, vraiment galère cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis bah, on se retrouve pour un prochain épisode avec la 106 ou le Sam ou le Patrol. Allez, ciao.